Êtes-vous prêt pour voir quelque chose d'absolument incroyable? C'est Moumou! C'est Moumou de Noël! Regardez-le comment il est beau! Bonjour! C'est parti? Parti? La main des cradonnées. C'est parti! Oh, c'est parti! Hey, allô! Comment tu vas? T'es belle aujourd'hui! Fuck off, est-ce que... Je suis comme, tu sais, t'as-tu remarqué? Je me suis comme mis belle, puis genre... Ouais. Oui, non, non, c'est trop possible. Je suis rentrée à la maison, j'ai remarqué qu'elle était belle, mais en même temps... Mais il l'a pas dit! Ben, je l'ai pas dit! Mais parce que t'es jolie. Ah, oh, ben merci! C'est gentil. C'est vraiment fin. Mmh. Est-ce que ça serait Noël? C'est pas Noël. Ok. C'est comme si c'était Noël. Est-ce que ça serait Noël? C'est Noël! C'est Noël! Je suis trop content que ça soit Noël, pour vrai. Ah ouais? Ouais, parce que Noël, c'est comme, je trouve, c'est un moment rassembleur. Puis c'est rare des fois que tu vois ta famille, tu sais. T'as pas tout le temps l'occasion. Parce que nous, nos familles sont loin, fait qu'on les voit vraiment plus. Fait que tu sais, c'est comme l'occasion de voir ta famille. Puis il y en a qui tu vois une fois par année. C'est le moment que tu te dis, ah ben, tant mieux si je vois pas souvent. Quand ça va, c'est comme, il y a eu tout le temps qui vient qu'on lisse. Ok, fait que là, c'est full cool parce que, ben, je pense que c'est à toi de le dire, là. Ben oui, non, c'est juste parce que, moi, cette année, dans le fond, j'ai eu la brillante idée de faire un bon Noël à ma blonde, mais un bon Noël gigantesque. Quand j'étais jeune, moi, ma mère me faisait des bonnes Noëls à chaque année. Ça t'a marqué? Oui, parce que en fait, peu importe, genre, mettons, les gros cadeaux qu'elle me donnait, on dirait que je m'en crissais tout le temps parce que j'avais juste hâte d'avoir mon petit bon Noël avec plein de surprises. Oh. Fait que je me suis dit, cette année, mon concept, ça va être faire un bon Noël à Cass, fait comme ça, tu vas avoir plein de cadeaux. Ouais, puis moi, j'ai jamais eu de bon Noël, fait que c'est vraiment intéressant. Ouais. Puis moi, c'est le contraire, j'ai un cadeau à lui donner, mais je vais lui donner à la fin. Moi, je suis vraiment obsessif dans la vie. Ouais, fait que j'exagère tout le temps. Plus grosse collection de Pog, plus grosse collection de cartes Pokémon, plus grosse collection de tout. Des livres, ben, peu importe. Mais c'est un peu la même affaire. Avec le bon Noël, je voulais qu'il soit le plus gros que j'ai jamais fait. Ouh. Fait que c'est ça, fait que je vais aller chercher. Ok, va chercher. C'est le bon Noël! Il est immense! À la base, on était pas censé faire une douille autour, j'étais juste censée ouvrir mes cadeaux et être bien excitée. Mais je trouvais ça tellement nice d'avoir une estime gros bonne Noël de même que j'ai dit à ça, s'il te plaît, on fait une vidéo YouTube. Je l'ai sucé, puis j'ai dit. Tu m'as pas sucé? Je sais, mais j'ai quand même dit oui. Je vais le sucer, c'est ça que je vais dire. Bon, parfait. Êtes-vous prêts? J'ai hâte de voir si on le sucer. Ok. Fait qu'on va commencer avec celui-ci. Fait que lui. Fait que c'est mon premier cadeau. Ah, oh, ça sent tellement bon! Une chandelle! Ah, oh, wow! Oh, ça sent la gomme à la cannelle. Oh, et en fait, c'est une chandelle à l'orange et à la cannelle. Parce que honnêtement, vous comprenez pas, là, à chaque année, je demande juste des chandelles, puis y a personne qui m'achète des chandelles, fait que je suis tellement contente d'avoir enfin une chandelle. Ouais. Ah, oh, merci mon amour, ça c'est vraiment gentil. Deuxième cadeau! Lui, il est gros, mais il est pas lourd. Ça, je présume que c'est des vêtements. C'est quoi? Ah! C'est un cahier à colorier! Mais voyons, c'est pas un cahier à colorier! Voyons, j'ai 2 ans, quoi! Je vais acheter un livre à colorier! Ouais, mais c'est un livre qui est marqué... en fait, c'est tout des insultes en anglais. Fait que, exemple, qu'est-ce que tu veux ici, dire? On a fuck you brick, on a go fuck yourself, shut the fuck up. Est-ce que c'est un petit message sur Eat your goddamn pussy. Non, faut que tu m'aïes, pis t'es genre, je sais pas comment dire, fait que je vais acheter un livre à colorier. Mais je trouve ça cool. Go fuck yourself. I'm coloring. Go fuck yourself. I'm coloring. Hey, merci, ça, c'est vraiment gentil. Slot. C'est tous des petits mots qui me représentent vraiment bien. Oui. Ok, troisième cadeau. C'est quoi déjà? Je sais pas, mais c'est ah oui, oui, c'est quoi? Ah, oui. C'est de l'alcool! Oui, je t'ai acheté une bouteille de fort. C'est qui comment qu'elle est belle? C'est un Hendrix, fait que c'est un gin. C'est un gin, édition illimitée, c'est le Hendrix Midsummer. Tu es en train d'en prendre un shot? Ok. Ben, santé. Non, mais c'est sûr que c'est des... C'est une très bonne bouteille. Est-ce que tu goûtes un peu les fleurs? L'énergie bleue, l'énergie lavande? Les fleurs, ça goûte les fleurs. Un petit peu, hein? Très bon. Okay. Êtes-vous prêts? Ben, moi, je suis prête. Ah oui? Ah, ben mon amour, voyons. T'as acheté un shirt de Led Zeppelin. Je l'ai déjà eu, ce gelé-là. Tu veux? C'est mon gelé que j'avais déjà. Tu veux? Oui, je te jure que j'ai déjà eu ce gelé-là dans ma vie. C'est trop moins drôle. Ah, ok, non, mais il n'y avait pas des manches longues. Ah, mais il est beau. Non, j'aime plus en manches longues. Ouais, vraiment. Moi, tout, je préfère en manches longues. Je me suis dit, elle fait pas en manches longues. Mais c'est trop moins drôle. Bon, ben merci, mon amour. Wouhou! Hey, je suis tellement excitée. Je suis un peu excitée, moi, tout, je sais quoi. Eh ben, des serviettes de gym!
Okay, parce que ça dérive tout le temps de ma gueule parce que mon sac de gym c'est un sac d'épicerie puis ma serviette de gym c'est une guenille. Honnêtement je m'en compte. Mais là je t'ai acheté des serviettes de gym qui restent froides, qui sèchent rapidement. Mais mon Dieu, c'est pas une serviette de gym, 5 minutes, c'est un bandeau. C'est un bandeau à la mode. Non, c'est clairement des estis de bonnes serviettes. C'est clairement un bandeau de gym. Yo! Yo! To all the ladies in the place with style and grace. Hey, merci pour mes nouveaux bandeaux de gym. Ça fait plaisir, Cash. J'avoue que j'avais un peu honte de toi que tu promènes avec une guenille. Qu'est-ce que c'est ça? Débat! Ah, débat! Ah, cool, parce c'est que débat, c'est des bottes comme toi, mais plus petit, fait que je vais pouvoir arrêter de voler c'est les tiens. C'est exactement ça! C'est des bottes comme moi, mais plus petit, oui? Des petits pieds. Et toi, tes pieds rentreront pas, fait que tu pourras pas les voler. 1, 2, 3, 4, 5, 6 paires de bas, amour! Okay, mais trop cool, merci! Le petit cadeau, il est vraiment lourd. Ouais. Mon premier est un petit cadeau. C'est la lettre, okay. C'est la lettre après Q. Non, c'est la lettre avant Q. P. Hein? Ouais, c'est P. Ça. C'est ça. Un parfum? Un nettoyant. En fait, c'est un nettoyant pour le visage. C'est de la marque Peony. C'est une marque montréalaise. C'est une marque qui est... c'est un excellent nettoyant pour le visage. Ah oui? Merci, je connais pas. Non, mais regarde, le beau. Il est comme... C'est beau, genre. Ouais, c'est vrai, c'est super beau. Ouais. Et à Montréal, on aime ça encourager les entreprises locales. Ouais. Bravo, Cédric, pour cet effort. Ça fait plaisir. Merci, mon amour. Ouais. Wouhouhou! Ah! Ah! C'est impossible! Okay, on a une grosse tasse à café chez nous, puis on s'engueule tout le temps à savoir. Ouais. En fait, c'est tout le temps celle qui apprend parce qu'il fait chier, genre. Mais regardez, c'est une tasse à café avec mon nom, avec une licorne, et c'est fou le café. Il y a marqué Cassandra. Oui, waouh! Ouais. Oh oui, c'est vraiment léger, on dirait qu'il y a rien dedans. Ouais, je sais quoi, c'est cool, hein, Chris. Voyons. Encore des bas! Un tout petit pénis. Hey, merci, mon amour! Vraiment, c'est un très beau cadeau. T'as pas d'assure? êtes-vous encore là? On tu là, tu penses? Ouais, il en reste en Chris. J'entends la voix. Une deuxième chandelle! Une deuxième chandelle! Mais chandelle. Moi, j'aime dire, on n'a jamais trop de chandelles. Ouais, c'est vrai. Parce que c'est éphémère, les chandelles. Celle-là, je sais pas, ça sent bon. Elle sent un hiver. Elle sent le sapin. Ouais, elle sent fucking bon. Mais ça va sentir bon, je pense, quand on va l'allumer. Ouais, je pense que oui. Et moi, j'ai pour mon dire, on n'a jamais trop de chandelles. Tu vas leur dire, c'est deux fois, je le dis. C'est des petits messages à toutes mes amies. Ouais. Hey! Du café. Non, c'est sûrement pas du café. Mais ça serait quand même cool. C'est du café! Ben cool! Attends, j'ai même marqué un message, j'ai écrit je t'aime. Ah, c'est vraiment... En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il manquait de papier. Il manquait de papier, fait que j'ai dit quoi, je vais écrire un papier. Tu sais? Bon, la marouette! Des bandes résistantes pour le gym! Ben bon! Qu'est-ce que c'est ça? Des bandes résistantes pour le gym? Je vais t'expliquer! C'est ça un deuxième bandeau ou quoi? Oui! Voyons, c'est pour ta grosse tête! Hey, tu parles d'un beau cadeau! Tu peux monter des marches avec ça, tu peux faire ça... Merci, mon amour! T'as pas de la stock? Ben oui, je suis trop contente, vraiment! Ben, tu devrais être contente! C'est juste des bandes élastiques pour t'aider dans tes petits exercices au gymnase. Dans le fond, je voulais juste plugger ici que je vais au gym. Non, je vais au gym. Ben, en tout cas, pour vrai, tu vas voir, je suis pas mal persuadée que tu vas les utiliser fréquemment. Je suis sûr que tu vas les utiliser fréquemment. Mais si je les utilise pas, ça va vraiment me faire des beaux bandeaux à peine. Tu vas les utiliser. Ok, trop hâte de voir. Tu vas aimer ça? J'ai aimé ça. Je vous en donne une nouvelle. Prochain cadeau. J'espère que ce sera pas un bandeau de mode pour le gym. Ouais, j'espère. Qu'est-ce que c'est ça? Ah, c'est un beau malève au citron. Oh, trop nice. J'aime pas les lepsils. Ça, c'est pas du café, c'est juste qu'il est emballé dans du café. C'est le pire enveloppage. Je lui ai tapé. Ça me semble être du café, mais ce coup-ci, je pense que c'est pas du café. Ah, oh, c'est un cadenas pour ton gym! Voyons quand même! Ah bon, je t'ai acheté un cadenas! J'ai acheté un cadenas pour ton gym! J'ai acheté un cadenas! Oui! Ok, mais tu trouves-tu que genre je manque d'équipement au gym, mettons? Oui! Ah, mais là, t'es toute, là! Wow. Mais ça, après ça, j'ai une belle histoire qui s'en vient. Ok. En gros, je t'ai acheté des bas. Des bas chats? Non, mais c'est ça l'affaire! C'est que c'est pas juste des chats, c'est Moumou!
Mais, ils ont... mais oui, c'est Moumou! Mais, attends un peu, mais là, ils ont coupé sa barbe. Fait que je leur ai écrit. C'est vrai qu'on dirait moi Moumou! Mais oui, je sais, mais là, je leur ai dit, Chris, on dirait pas mon chat, fait qu'on va s'en sortir. Fait que tu en sors des nouveaux bas dans alors, une semaine. Mais c'est vrai, quand on se concentre, on voit que c'est Moumou. Mais oui, c'est Moumou! Oh, j'ai des bas avec Moumou dessus! Alors, je sais. C'est pas lui, là. Tu dis, c'est des bas avec des chats. C'est comme. Ah, j'avais pas remarqué que c'était Moumou! C'est soufflant, ça? Ouais, c'est soufflant, ouais. Du caramel! C'est pas du caramel. Popcorn au caramel! Ah, c'est sûr, c'est fucking bon. Ouais, ça a l'air vraiment bon. Oh my god, regardez. Ça mais descendu, j'ai tellement des cravings. Je t'en prends pas. Oh my god, il en reste juste deux, ça va trop passer vite. Est-ce que les deux qui restent, c'est des cadeaux de gym? Non, il n'y a plus de cadeaux de gym. Ok. C'est un pillow mist. Ah, c'est comme une brume. Une brume que tu mets dans ton oreiller. Oui, puis regardez, ça aide à dormir. Ouais. Ah, ben, tu vas en avoir besoin. Non, t'as acheté ça pour toi. Lui, il a vraiment de la misère à dormir. Moi, je dors vraiment bien. Mais j'ai commencé là. Moi, avec ça, tu vas dormir pour ma vie. Ouais, mais c'est cool, puis apparemment, ça sent super ben, bon. C'est sûr, je te crois. Oh, j'ai l'ai brisé. Ah, tu l'as brisé. Attends, ben, je vais réparer là. Ok. Vas-tu dormir si tu m'en mets? Mais non, ben, je pense pas là. Ok. Okay, ah, bon. Ça sent tout doux. Ouais. It's the last one. Wouhouhou. Oh, trop nice. Oh, ils sont full belles. Regardez, c'est des mitaines. Oui. Honnêtement, est-ce qu'il fait frais, man, l'hiver? Puis déneiger mon hostie de char, là, sans mitaines, c'est la pire idée du Corus de Canada. Ah, ils sont parfaits pour mes mains. Ils sont parfaits pour mes mains. T'es-tu content? Oui, je pense qu'ils sont chauds en plus. Ouais, ils sont calissement chauds. On dirait que je le filme. Merci. Ah. Ça fait plaisir, mon amour. Trop cool. Bon, ben, mon amour, moi, j'ai un cadeau pour toi. OK. Un seul, un cadeau. Merci. Et voilà! C'est un gros ou petit cadeau. Un gros ou petit cadeau, mais qui veut en dire gros. C'est sûr que c'est un petit cadeau, dans le fond, pour ta mère, c'est une grosse boîte. Mais non. T'es vraiment excité. Ouais, mais je trouve ça encore plus cool, on dirait, de comme donner que de recevoir. C'est sûr que c'est un petit cadeau. C'est un cadeau. Ouh, c'est un petit cadeau! Ok, regarde! Tada! Aïe, aïe! Est-ce que t'es content? Ben oui, je suis content. J'avais vu une bague en or, en gros, avec une pierre rouge dessus. C'est un rubis, c'est ça? Oui. C'est un rubis, puis je trouvais ça insane. Ça fait vraiment longtemps qu'il l'a vu. Parce que dans le fond, on va tout le temps à la même bijouterie. Puis quand que j'étais allée voir, je me rappelais pas c'était quoi la bague, mais je me rappelais à quoi qu'elle ressemblait un peu. Puis quand je suis rentrée, la madame m'a dit « Est-ce que tu viens pour la bague à ton chum? » Elle te l'avait gardée de côté. Impossible. Je te jure, elle était pas sur le présentoir, elle l'avait mis derrière. Ça fait quand même longtemps, elle doit faire au moins un an. Non, mais c'est parce que moi, je la repars. Hey, non, mais elle est tellement nice. Elle est tellement nice, à vous. Merci à toi d'avoir gardé la bague. C'est vraiment cool, nice. Parce que je t'ai retourné dans le fond en début mai. Puis j'avais vu la vibe, là, j'étais comme. Et là, tu sais, j'étais comme, j'ai pas les moyens de me l'acheter. Parce qu'il y a pas de suite. J'avais dit la mettre d'à côté, mais Chris, c'est en début mai. Ça veut dire qu'elle l'a gardé tout ce temps-là en espérant que je revienne. Est-ce que t'es content? Oui. J'ai l'air. Je suis content, l'amour. Je suis tellement pas un gars de bijoux dans la vie. Genre, je porte pas de collier, porte rien. Mais cette bague-là, on dirait qu'elle m'a tout le temps fait de quoi? Ben, il faut faire une conclusion, là. On conclut en disant que joyeux Noël. Joyeux Noël. En gros, l'important, je pense pas que c'est les cadeaux, honnêtement. C'est sûr que là, cette année, on s'est gâtés beaucoup, là. Mais, tu sais, je pense que l'important, c'est vraiment d'être avec des gens qu'on aime. Ouais, avec les personnes qu'on aime. Profiter aussi de ces moments-là, parce qu'ils sont vraiment précieux. Ah, c'est ça, c'est de l'amour. Ça se voit, la famille, des fois, c'est avec les amis, tu sais. Il y en a qui n'ont pas beaucoup de famille, mais qu'ils passent beaucoup de temps avec leurs amis. Vraiment. Fait que je souhaite juste simplement de passer du bon temps avec les gens que vous aimez. Joyeux Noël! Joyeux Noël! OK, bye! Bye! C'est check mes boules de Noël! Je vais te montrer mes boules de Noël, là, calme-toi! Bye!